foie gras de canard mi-cuit. Préparez les ingrédients. 400 g de foie gras de canard cru et déveiné. 4,8 g de sel. Il faut compter 12 g par kilo. 1,2 g de poivre. Il faut compter 3 g par kilo. 1,5 cl de Porto. Il faut compter 4 cl par kilo. Commencez par mettre le foie gras de canard cru et déveiné dans un saladier. Rajoutez le sel, le poivre et le Porto. Filmez le saladier et mettre au réfrigérateur une nuit entière. Sortir le foie assaisonné du réfrigérateur le lendemain. Ensuite, le mettre sur une feuille de papier sulfurisé. Puis, formez une ballottine pour donner une belle forme à votre foie. Adaptez la taille en fonction de votre casserole. Chassez un maximum d'air en serrant sans forcer. Enlevez le papier sulfurisé et mettre le foie gras sur un film alimentaire. Ensuite, le roulez dedans en chassant l'air au maximum. Bien serré pour lui donner une belle forme cylindrique, puis nouez les extrémités avec du fil de cuisson. Coupez pour finir le surplus de film sur les côtés. Ensuite, recommencez la même opération avec un autre morceau de film alimentaire. Puis, remplir un saladier d'eau froide et y mettre des glaçons. Remplir ensuite une casserole d'eau et faire chauffer légèrement au-dessus de 80 degrés Celsius. Contrôlez avec un thermomètre car la température est très importante. Durant la cuisson, il faudra rester entre 78 degrés Celsius et 82 degrés Celsius. Préparez ensuite une tasse avec de l'eau froide. Puis, mettre la ballottine dans la casserole d'eau chaude. L'eau doit la recouvrir entièrement. Comme elle flotte, utilisez une écumoire pour la maintenir sous le niveau de l'eau. Faire cuire 10 minutes entre 78 degrés Celsius et 82 degrés Celsius pour avoir un foie gras mi-cuit. Si l'eau dépasse 82 degrés Celsius, rajoutez un peu d'eau froide pour la faire redescendre à 78 degrés Celsius. Procédez ainsi durant toute la cuisson. Ensuite, sortir votre foie gras avec une écumoire et le plonger de suite dans le saladier d'eau glacée. Le laisser 30 minutes dedans pour stopper la cuisson. Finir en le mettant 48 heures au réfrigérateur avec son film alimentaire. Votre foie gras mi-cuit de Noël est enfin prêt. Une recette parfaite pour l'apéritif lors des fêtes de fin d'année. Bonne dégustation. Si vous avez aimé cette recette, abonnez-vous à notre chaîne.